Popopo, c'est Neijan, c'est dimanche et on se retrouve pour un méga petit déj. J'espère que vous avez la forme. Moi, ça va super. Et en ce matin, je vous propose deux boosters d'une série japonaise. Donc, ça, déjà, c'est pas très traditionnel. J'en ai ouvert déjà par le passé sur la chaîne, j'en ai ouvert un bon petit nombre. Mais je les adore. Je trouve que dans cette série-là, on a toujours des bonnes cartes. De toute façon, on a au moins une petite foulard japonaise. Ça n'a pas du tout la valeur des foulards françaises. Mais c'est juste pour le kiff. J'avais envie d'ouvrir ces boosters en votre compagnie. Et voilà, on fera un méga petit déj et c'est parti. Alors déjà, je vais faire une démacro pour mieux voir les boosters quand je vais les prendre dans les mains. Ils sont d'ailleurs tellement énormes que bon, voilà, on fera avec. Les illustrations japonaises sont super belles, les contrastes sont beaucoup plus poussés que les boosters français, et on a des illustrations super riches. Regardez-moi ça. On a un Latias, un Dialga, un Pikachu, un Reshiram, un Latios, enfin bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Derrière, on a quoi? Oupa, Arceus et Kyurem Noir, si je dis pas de bêtises. Enfin, des boosters juste magnifiques. Et je vous propose d'y aller, on va passer à l'ouverture de ces petites merveilles. Je prends les ciseaux pour bien découper le booster et c'est parti, on y va en avant toutes. Vous allez voir, vous allez vraiment me dire ce que vous pensez de ces boosters, moi je les trouve juste magnifiques. Alors, je mets la carte en carton au dos, ça c'est une carte en général qui donne un petit descriptif sur la série en cours du moment. Je crois qu'il faut faire la dernière devant et c'est parti. Eh ben non, j'ai fait une bêtise. Vous n'avez rien vu, on fera genre que vous avez rien vu. Je suis vraiment pas doué moi, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a dans ce booster? Un petit pain d'espiègle, très bien. C'est pas Amphinobi, c'est Croaporal. Vous voyez, toutes les cartes en plus sont toutes brillantes. Moi je les trouve super, cette petite mini-série japonaise, c'est pia top. Et vous l'avez donc vu, la bonne carte de ce booster, il s'agit d'un Reshiram Full Art que j'avais déjà eu par le passé. À chaque fois que j'ouvre cette série-là, c'est toujours ce légendaire-là que je me tape. Bon, on va la mettre sous pochette déjà, parce qu'on va pas perdre de temps. En ce moment, je suis en train de reprendre l'habitude de mettre les bonnes cartes sous pochette pour pas les abîmer. Et on va plutôt passer au deuxième booster qui a l'air d'être le plus intéressant. Il s'agit du booster tout doré avec un Pikachu. C'est ma chérie qui sera heureuse. Et si on a en plus le Pika en ex, qui est une carte secrète dans la série japonaise, je sais c'est compliqué, et elle sera ravie. Allez, on y va, voyons ce que ce booster va nous offrir. Fennec, lui c'est comment? C'est Sunistrel, si je dis pas de bêtises. Kulbutoke, et attention les yeux, c'est parti! Oh, pas mal, je suis content, c'est la première fois que je la tire, super. Latios en full art avec Palkia derrière, génial. Je me tapais toujours le Latias, qui est magnifique d'ailleurs au passage, mais avoir Latios, ça fait du bien, car c'est la première fois que je l'obtiens dans une vidéo sur ma chaîne de cette série-là. D'ailleurs, j'ai toujours pas dit le nom, je crois que c'est la Kira Collection. Bon, les noms japonais ont plusieurs noms en français, mais voilà. Moi, personnellement, c'est pas pour le nom de la série, mais pour la beauté des cartes et diversifier mes vidéos sur ma chaîne. Dites-moi ce que vous en avez pensé, je trouve vraiment les cartes magnifiques, j'ai passé un super moment en ce matin. Je remets les deux bonnes cartes là, juste là. D'ailleurs, elles seront sûrement sur mon eBay parce que je collectionne pas le japonais. Certains me diront, mais d'ailleurs, pourquoi tu fais ça, Nejan, si tu les collectionnes pas, pourquoi tu les ouvres? C'est pour découvrir des séries différentes à chaque fois. Si j'ouvrais toujours les séries qui me manquent, ce serait un peu redondant. J'ai envie d'ouvrir un maximum de séries que je n'ai pas forcément le plaisir de contempler tous les jours. Et voilà, si les cartes vous intéressent, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, on pourra s'arranger ensemble. On se retrouve demain pour commencer une nouvelle semaine, et moi je vous souhaite de bien vous porter et de passer une bonne journée. Allez, salut tout le monde!